Pourquoi dit-on carré dans les expressions françaises? On va essayer de l'être carré pour cet épisode. Car être carré signifie depuis quelques années faire les choses avec sérieux et application. On peut d'ailleurs supposer qu'il s'agit d'une déclinaison de l'expression au carré, qui chez les militaires désigne la façon stricte de faire son lit. On l'utilise depuis l'apparition du service militaire et l'obligation pour les appelés de respecter une discipline et une rigueur très strictes dans ses moindres détails. La tenue vestimentaire irréprochable, mais aussi son petit espace personnel dans la caserne, dont le lit doit obligatoirement être au carré, donc ne comporter logiquement que des angles droits. Rien ne doit dépasser. Sinon, le gradé peut vous mettre la tête au carré, c'est-à-dire vous tenser pour remettre les choses en ordre. L'idée de tête au carré implique une dispute, voire une transformation du crâne qui aurait subi des coups au point de changer de forme, de passer de rond à carré. Notez que l'expression remonte à la colonisation du Canada. Les Français, installés dans le pays, voyant d'un mauvais œil l'arrivée des Anglais, les qualifièrent de tête carrée en comparaison avec la construction de leur maison pourvue d'un toit carré. Square ! Comme les Français ne portaient pas trop les Anglais dans leur cœur, l'expression finit par être utilisée pour définir leur entêtement et le besoin que tout soit très droit. Chacun protège son territoire, comme le signifie l'expression « défendre son pré carré ». Car le pré carré, depuis le XVIIe siècle, définit une possession ou un domaine d'influence. Utilisé en politique ou dans les services publics, il correspond à un domaine réservé qui doit donc être défendu. Enfin, évoquons ces footballeurs réputés pour leur maladresse, dont on dit de façon péjorative qu'ils ont les « pieds carrés », des footballeurs qui peuvent avoir d'autres qualités, mais qui ne sont pas les plus habiles techniquement, qui peuvent manquer les occasions les plus faciles à cause, comme le suggère cette expression, de leurs « pieds carrés », ce qui n'aide pas pour réussir des gris-gris. Bref, ne tournons pas en rond, à bientôt.